Alors bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est chez la PNR Family. Coucou. Coucou à tous. Et on va faire des petites challenges pour notre famille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Black? Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Ah regarde ça. Qu'est-ce qu'il frappe? Bonjour. What? Vous êtes qui? Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Je suis professeur Zigo. Professeur Zigo? Bonjour, c'est moi professeur Zigo. Ok. Je peux rentrer? Vous venez pourquoi professeur Zigo? Je viens parce que je fais la petite voisine à côté et je viens pour examiner quelques personnes de chez vous. Mais personne n'est malade? Ouais, on a un médecin en fait, tout le monde va bien. C'est vrai? Je peux rentrer? Non. Vous êtes un peu bizarre professeur Zigo. Vous êtes déjà rentré là? Oui, bon bah c'est bien. Allez, ok. J'ai besoin de faire une expérience sur 2-3 personnes et après je m'en vais. Okay. Ça sert à quoi? Ça sert à faire une expérience parce que. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Wow. D'accord, il est un peu chelou le mec. Je voudrais pas dire, mais bon, on le laisse rentrer comme ça quoi. Mais attends, mais. Il est un peu bizarre. Regarde, c'est. Comment il marche? Ça va? Toi, tu viens avec moi. Okay. Waouh! Tu viens. Par contre, vous allez lui faire quoi là? Approche-toi. Léni, tu nous dis hein, si t'as peur. Ouais. Ça va ou pas, Léni? Je suis obligée, sinon. Il est docteur? Vous êtes quoi? Et toi aussi, tu te mets là aussi. Ouais! Et moi? Ouais! T'es content? Ouais? Non. Il faut juste 2 personnes parce que j'ai pas grand chose. T'avais pas grand chose? T'es pas une personne. Oh, c'est quoi ça? Mais gros, hey, il a un couteau! Il a un couteau! Oh, attends, mais les garçons, vous laissez pas faire! Non, tu vas, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites, professeur Zigo là? Viens, Tommy! Il a un couteau! Il a un couteau, c'est quoi ça? Lève-toi, tu restes là! Qu'est-ce que je vais te voir juste faire une expérience? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous lui faites? C'est quelque chose rigolo! Rigolo? C'est quoi maintenant? Professeur Zigo. Professeur Zigo. En fait, dans mon expérience, je vais faire une soupe d'enfant. Une quoi? Une soupe d'enfant. Parce que je vous explique, j'ai fait des dons d'organes. Ah non, ça c'est pas. Non. Léni, te laisse pas faire. Non, mais c'est quoi ça? Ça dit pas mal, je prends juste un petit bout de boyau. Attends, vous. Et vous vous appelez comment? Parce que je vais vérifier sur internet quand même. Je m'appelle professeur Zigo. Professeur Zigo, mais vous faites quoi professeur Zigo là? J'ai fait beaucoup de travail à l'étranger. Ouais. Et nous, ce qui est intéressant, c'est de prendre une petite partie d'ici. Ah, jamais de la vie, ça va pas, non? Et je prends la rouille. Non, laissez-le. Je vous confirme, il n'y a rien sur Google. Hein. Ah, il n'y a rien. Professeur Zigo, ça n'existe pas. Oui, mais avant, je m'appelais professeur Niglo. Niglo? Oui. Et maintenant c'est Zigo? Oui, parce que je change à chaque enfant que je prends, mais malheureusement il ne survit pas. Ah non, Léni, pousse-toi, Léni, allez. Hop, descends. Non, vous êtes malade là. Descends, Léni, descends. Non, je vais te. Il va. Regardez votre scotch et tout là. Mais vous lui faites rien. Ou alors je peux prendre un adulte, moi j'ai jamais essayé sur les adultes. Oula. Regarde comment il marche. Oula. Mais t'es malade en fait. Vas-y, faut le sortir. Hein. C'est quoi ça? Sortez, monsieur. Non, mais il lui rend pas. Non, c'est quoi ça? Vous avez fait quoi chez la voisine? Mais attends, imagine la voisine. Vous avez fait quoi chez la voisine? Geneviève. Oui, Geneviève. Elle est déjà partie. Partie où? Loin, là-haut. C'est quoi ce délire? Non. Vous avez été voir que Geneviève ou vous avez été en voir d'autres? Et Marie-Thérèse. Marie-Thérèse? Son petit-fils, il est parti. Ok. Wow, c'est flippant. Faut pas que les flics là. Attends. On va peut-être aller voir chez les voisins, non? Ouais, parce que Marie-Thérèse et Geneviève. Si, on peut rester en tout bien tout honneur, on dit rien et puis ça sera pas. Non, c'est pas trop notre truc là. Et là, vous venez d'où? Si je vous dis d'où je viens, vous allez avoir peur. Parce qu'il faut qu'il arrête. C'est mon débarquement. C'est Marie-Thérèse. Je vais vous dire au revoir. Ouais. Salut. À bientôt, toi.
Ouais. Non, bah non, du coup. Non, 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 non. Professeur Zigot, oui. Vous comptez aller où là quand même? Voir s'il y a d'autres enfants. Non, 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 non. Non, non, gardez-le. Non, non, on va l'attacher. On va l'attacher. Non, faut l'attacher. Attachez-le. Vous le mettez. Prenez-le, vous le mettez sur une chaise, vous l'attachez. Attachez-le. Attachez-le, attachez-le. Attachez-le parce que là, c'est flippant. Non, non, du gros scotch. Essayez-le. Attachez-le. Non, 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 sinon il va aller voir d'autres enfants. Ouais, t'as pris ses ustensiles, bien. Non, non, sinon il va aller voir d'autres. Tu veux pas? Eh, il faut que quelqu'un aille voir si les voisines, ça va, hein. Et c'est quoi, je vais aller voir. Ouais, vas-y, vas-y, parce que. Vous allez pas me faire ce que j'ai fait aux autres? Quoi? On va appeler la police. Ouais, ouais, on va vous ligoter, on va appeler la police parce que ça va pas du tout. Je peux prendre leur boyau si vous voulez. Leur boyau? Leur boyau, ils sont où leurs boyaux? Dans ma voiture. Non, non, là, ta mère elle est partie voir si ça va les voisines. J'ai 4 kilos de boyaux. 4 kilos? Et tu continues à rire en plus? Non. Wow. Vas-y, on attend Val et après on appelle les flics. Ouais, hein. Il est chelou à pote. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il dit n'importe quoi, hein. Les voisines elles vont très bien. Non, mais je sais pas ce qu'il a fait en fait. Hein. Mais alors, pourquoi vous nous racontez les trucs des voisines? En fait, c'est un mythomane, le gars. Ouais, c'est un schizophrène. Non, mais. Wow. Ouais. Schizo, c'est marrant. Je suis professeur schizo. D'accord. Professeur schizo. Ah ouais, non, mais. Ah ouais, quand même. Schizo, il est dégoûté. Ah, il sent. Je sais pas. Franchement. Oui. Tu veux bien répéter, tu t'appelles comment? Il m'appelle professeur schizo. Mais tout à l'heure, c'était Zigo. Oui, mais j'ai changé de nom. D'accord. Et pourtant, t'as fait rien à la personne. Tu sais, tu disais que tu changeais à chaque enfant. Bah, je sais pas. Ah, en d'accord. Fait, il est complètement. Il est barré. Bah, vas-y, non, bah, détachez-le, détachez-le. Peut-être appeler, tu sais, l'hôpital psychiatrique ou les trucs comme ça. Ah, peut-être l'hôpital psychiatrique. J'ai appelé l'hôpital psychiatrique. Ouais, peut-être l'hôpital psychiatrique. Bon, on va le détacher parce qu'il appelle. Attends, attends, j'appelle l'hôpital psychiatrique. Mais il avait quand même. Détache ou pas? Mais c'est mon pote. Attends, 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 quand même. Qui me dit ça? Ouais, attends, attends, attends. Hein? Ah ouais? Ouais, allons-y, vas-y. Ouais, mets-le par terre, mets-le par terre. Un dodo! Ouais, un dodo, ouais. Combien, cas où? 80 kilos, un dodo! Oh putain, les gars, on est dans la merde! Un professeur un peu bizarre. Ouais, un professeur. Il dit de couper des boyaux et tout. Il dit des choses. Bon, je suis allée vérifier chez les voisins, tout va bien. Mais on sait pas quoi en faire. Donc, est-ce que vous pouvez éventuellement venir le chercher? Ouais, c'est un peu bizarre. Il ouais, là on l'a allongé, mais. Et attaché. Et attaché, allongé. Vous pouvez venir rapidement? Je peux essayer. Ok, très bien. Ok. Ouais. Bah, merci beaucoup. À tout à l'heure. Ah bon? Ouais, il est trop bizarre. Bon, par contre, ils sont là d'ici une demi-heure. Oui. Ah, une demi-heure? Donc, ils disent de le laisser comme ça et d'attendre qu'ils arrivent pour qu'ils puissent voir son état mental. Je veux pas que tu sais que c'est lunettes. Qu'est-ce que moi je midi? Donc, non, on va rien manger là en fait, on va attendre que tout le monde arrive. Nous, on va manger, mais pas lui, on va te manger. Ouais. Donc, ouais. Moi, ce que je propose, c'est que on va le laisser comme ça pour être sûr, nous, tu vois, qu'il ne se passe pas de bizarre, de bizarrerie, parce que tu vois, on ne sait pas. S'il vous plaît, est-ce que je peux demander un truc? Oui. Promis, j'arrête, mais si je vous fais une potion magique, comme ça, je vais tous vous dire que vous allez être bien. C'est une potion. Et si vous la buvez, vous serez les super héros du monde. C'est une potion, il n'y a que moi qui la connais. Oh. Ah ouais? Ouais. En attendant, vous êtes vraiment censé croire là? Psychiatrique arrive. Non, mais s'il nous fait une potion et qu'il arrête tout après. Promis, on essaye de tenter le truc. Vas-y, on essaye. C'est moi. Alors, par contre, bah du coup, on va faire la suite sur la chaîne de la PNR Family. Hein, okay, parce que moi là j'ai un peu ma dose. Okay. Il est un peu bizarre lui, Zigo, Schizo. Voilà, donc allez sur la chaîne de la PNR Family d'ici quelques jours pour voir la suite, voilà. Pour voir comment ça finit, parce que là je sais pas. Il bouge plus. Ah ouais, il dort. Il dort. Ou... Du coup, on fait notre autre. Vous dormez, monsieur? Ouais. Bon, allez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On s'abonne avec la petite cloche. Cloche. Et on vous fait des gros bisous. Bisous.